Bonjour à tous. Municipal 2020 à Anse-Bertrand. Le maire sortant, Édouard Delta, est-il en danger? Quelle est l'opposition la plus crédible aux yeux des Ansois? À quoi doit-on s'attendre en cas de deuxième tour? Yves Nimias, candidat au municipal à Anse-Bertrand, est l'invité de Questions sans détour. Yves Nimias, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs de TV et plus singulièrement à nos téléspectateurs du côté d'Anse-Bertrand. On vous connaissait président de club cycliste, vous voilà maintenant candidat à Anse-Bertrand. Le sport, décidément, mène souvent à la politique. Écoutez, je crois qu'il y a des similitudes très fortes entre le monde sportif et le monde de la politique, puisqu'en fait, il est question de combat, il est question de victoire. Et donc, on retrouve ces similitudes-là entre les deux, ces deux composantes, la politique d'un côté, le sport de l'autre, effectivement. Mmh. Vous avez une carrière professionnelle bien remplie, cadre supérieur de banque. C'est à se demander ce qui vous motive. Écoutez, j'ai eu l'occasion de le dire, hein, quand on est attaché à un territoire comme celui d'Anse-Bertrand et à sa population, on ne peut pas continuer à regarder cette commune avec un regard léthargique, défaitiste. On est en droit et motivé à l'idée de porter sa pierre à l'édifice pour changer la face des choses et faire en sorte que Anse-Bertrand puisse s'épanouir avec ses habitants. Oui, ce goût de la politique, il est né quand? Ben, je pense que ce goût de la politique était déjà latent, puisque quand on est au service de ses concitoyens, il faut le rappeler, j'étais pendant près de deux décennies aux côtés des jeunes Ansois pour les accompagner dans leur insertion via leur sport. Donc pour moi, c'était déjà une forme de politique, ou comme on dit, se mettre au service de ses concitoyens. Oui. Comme tant d'autres candidats issus de la société civile, on est venu vous chercher. On est venu me chercher, on m'a sollicité à maintes reprises. J'ai fini par accepter de rejoindre ceux qui sont mobilisés sur le terrain dans ce domaine-là, après avoir tiré ma référence dans le domaine du sport singulièrement. Et donc je pense qu'il y a encore matière, d'un instant où la santé me le permet, de donner encore de sa personne pour sa population, pour son territoire. Oui. Parlez-nous de vous. On ne vous connaît pas en politique. Alors, Yves Nimias, c'est un citoyen en soi. Je suis né à Anse-Bertrand, c'est un territoire qui m'a vu grandir. J'ai connu, je suis d'une génération qui a connu le transport scolaire gratuit, la cantine gratuite. Donc, je fais partie d'une génération qui a quand même reçu et qui a pu profiter de l'ascenseur social qui est l'éducation, l'école, la formation. Et donc, à ce titre, je pense que je suis en devoir de rendre ce que j'ai reçu quelque part. La mandature écoulée a été particulièrement mouvementée à Anse-Bertrand pour le maire sortant, Édouard Delta. Comment jugez-vous son bilan? Je pense qu'il y a une vraie dichotomie, une vraie rupture entre le bilan que nous dresse l'équipe sortante et la vraie vie, la réalité de la vie de nos concitoyens. C'est vrai que tout au cours de notre parcours, depuis le lancement de notre mouvement politique en excellence, on s'est attaché à démontrer la stratégie différenciante de notre démarche qui repose sur quatre piliers. Le premier pilier, le vrai fil rouge de la démarche, une corde de conduite en quelque sorte, où on s'interdit de tomber dans le cancan, dans la démagogie, dans les attaques personnelles. Le deuxième pilier, une combinaison que nous souhaitons optimale, que nous voulons optimale entre compétences, jeunesse et expérience. Et puis un troisième pilier qui est cette proximité avec nos concitoyens qui nous permettent de tisser des liens bénéfiques pour notre action et puis pour mieux comprendre leurs souffrances et leurs difficultés. Mmh. Enfin, quatrième pilier, un vrai projet de territoire qui nous permette d'être en conformité avec cet espace rural qui regorge d'atouts indéniables tant au plan humain qu'au plan géographique. Et donc, nous sommes inscrits dans cette démarche-là de manière à proposer autre chose à l'occasion de ces municipales. Le bilan. Alors, le bilan, c'est un bilan que nous considérons comme étant en décalage avec la réalité, je le disais tout à l'heure. C'est un bilan qu'on peut considérer comme étant négatif, puisqu'en fait, on n'a pas pu bénéficier d'une vraie gouvernance soudée. On a, tout au cours de cette mandature, été témoin des divergences, des départs de pas mal de membres de l'équipe dirigeante qui avait été installée en 2014. Et puis surtout, ce sont des plaintes incessantes qui nous remontent du terrain. Hein. Les problèmes de joignabilité du chef d'édilité, des problèmes de disponibilité, des problèmes de rendez-vous qui ne sont pas honorés, alors que un maire, par définition, c'est le premier élu en proximité avec sa population. Donc, sur tous ces aspects, nous considérons que c'est un bilan négatif et qu'il va falloir très rapidement mettre en place, à la tête de cette commune, une équipe, je dirais, où on combine de manière optimale la jeunesse,
les compétences et l'expérience pour vraiment mettre en place une gouvernance soudée, travaillant et guidée par l'esprit d'équipe pour pouvoir poursuivre les projets que nous avons. Très bien. Et vous estimez donc être en capacité de faire mieux ? Avec quel programme et surtout quelles ressources ? Alors, la première des ressources pour nous, elle est d'ordre humain. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été chercher les Ansoises et les Ansois qui manifestent, comment dire, la détention de vraies compétences dans leur domaine d'activité respective. Et nous comptons les mettre en synergie, mettre tous ensemble pour que nous puissions être derrière un projet de territoire qui soit conforme à notre authenticité, je le répète, et qui permette à Anse Bertrand de jouer pleinement sa carte de territoire touristique. Oui. Et puis aussi de garder ce côté rural qui nous permette de valoriser l'activité de nos agriculteurs, de faire en sorte à ce que ce soit un territoire qui accueille également des unités de transformation, d'agro-transformation. Il faut se rappeler aussi que nous avons des chantiers qui sont déjà enclenchés et que nous poursuivrons. Le chantier de l'hippodrome, puisque j'ai été aux côtés de la liste d'Harry Chalus en 2015. Et ce projet-là a été défendu pied à pied pour que, une fois cette équipe en place, qu'il puisse voir le jour. Et il est en train de se réaliser. Mmh. Et une fois au pouvoir, nous comptons bien évidemment accélérer les choses et faire en sorte à ce qu'il aboutisse. Le développement économique d'Anse Bertrand passe par quoi, selon vous ? Il passe, à mon avis, par l'intensification de cette attractivité naturelle qu'Anse Bertrand. Il faut faire en sorte à ce que les sites naturels, les sites historiques, les atouts que nous détenons soient davantage mis en valeur pour qu'Anse Bertrand puisse jouer pleinement sa carte touristique. Mais faire en sorte aussi qu'on garde cette originalité qui fait de nous un territoire à part. Mmh. Entre le maire sortant, Édouard Delta, Daniel Moustache, qui était déjà candidat en 2014, le candidat Nimias pense donc avoir une carte à jouer. Laquelle ? Absolument, je pense que la carte à jouer, c'est celle de la démonstration qui a été faite, je disais tout à l'heure, pendant près de 2 décennies, de mon accompagnement, de ma disponibilité, de manière désintéressée, il faut le rappeler, puisque ça s'est déroulé dans un cadre bénévole, mm-hmm. où nous avons véritablement démontré qu'il était possible, de manière opérationnelle, de donner du sens à l'insertion via le sport, et singulièrement via le sport cycliste. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut observer, hein, tous les jeunes que j'ai eu l'honneur d'encadrer à cette époque sont aujourd'hui des citoyens intégrés professionnellement, socialement, et ce sont même parfois des chefs d'entreprise qui mènent à bien des projets qui structurent d'ailleurs notre territoire. On peut faire de la politique autrement aujourd'hui ? J'y crois fortement que la politique peut être pratiquée en rupture avec les pratiques qu'on a dénoncées jusqu'à maintenant. Je disais tout à l'heure, l'un des piliers de notre démarche, c'est ce fil rouge qui nous interdit de basculer dans la démagogie, dans le cancan, dans le mépris, dans les attaques personnelles. Mais au contraire, parler d'Anse Bertrand, parler des citoyens, de leurs souffrances, de leurs difficultés. Et à ce sujet, nous avons pu recenser ce nombre de difficultés et qui mettent en contradiction le bilan que nous présente l'équipe sortante, les difficultés relevées du terrain quand on va dans certaines zones de la commune avec des citoyens qui habitent dans des lieux affichant une absence totale d'éclairage, posant des problèmes par voie de conséquence de sécurité, des problèmes d'accessibilité par une période d'intempéries, et puis cette pression fiscale qui est vraiment la constante auprès de nos concitoyens et qui se plaignent de cette pression excessive qu'ils ont subie pendant toute la mandature. Mmh. Donc nous entendons nous attaquer à tous ces sujets qui relèvent des observations du terrain et de la proximité que nous nourrissons avec, très bien, avec la population. Vous y allez avec quelle étiquette, quel drapeau ? On est sans étiquette puisque l'idée avant tout, les situations d'urgence font que, et la priorité. Quel soutien alors ? On a un soutien très franc qui a été exprimé par le président Harry Chalus et par respect de l'engagement qu'il avait pris en 2015, à l'occasion des régionales, où j'étais présent dans la campagne, et il m'avait toujours dit, écoute Yves, dès l'instant, tu seras résolument positionné pour pouvoir faire quelque chose pour Anse Bertrand jusqu'à tes côtés, et ça il l'a confirmé pas plus tard qu'à l'occasion de notre cérémonie des vœux du 31 janvier, il a très clairement affiché et confirmé cet engagement qu'il avait pris. C'est un soutien de poids ? C'est un soutien de poids, mais qui surtout donne de la crédibilité à notre démarche. Je veux dire, voilà une équipe qui n'est pas au pouvoir et qui pour autant suscite de l'intérêt et de la considération de la part de l'exécutif régional. Donc je considère que c'est une marque de reconnaissance, de considération et qui ne doit pas laisser nos enfants indifférents. Mmh. L'intercommunalité dans le Nord Grande Terre, quelles perspectives, quelles ambitions ? Alors, c'est une collectivité sur laquelle il va falloir compter, puisqu'il faut rappeler aussi que la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre porte un projet qui est implanté sur le territoire d'Anse Bertrand, cette unité d'usine centrale pour la transformation des produits agricoles.
Je fais partie, je suis membre du conseil de développement de cette communauté d'agglos, donc je suis bien placé pour vous dire qu'il y a un vrai travail qui est fait, un vrai projet de territoire à l'échelle de cette communauté et qui aura un rôle économique à jouer pour chaque prince du territoire, chaque commune et chaque citoyen doit s'y retrouver. Nous avons à progresser pour pouvoir raisonner non pas seulement en espace communal, mais en espace communautaire et ça c'est le travail des élus et des équipes comme la nôtre qui auront à exercer le pouvoir, je l'espère, de les 15 à l'issue des résultats du 15 mars. Merci Yves Nimias d'avoir répondu à nos questions dans QSD. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement dans Questions sans détour sur ETV et EFM Radio.